Alléluia. Et sur le terme Christ, la lumière qui
qui dissipe les ténèbres. Ah! Christ me gaba à quel point à quel point. Alléluia. Amen. Je dis Christ, la lumière qui dissipe les ténèbres. Christ, quel point il a ta. Parlons un peu des enfants d'Israël. Que voit Israël au milieu de lui? À sa mort, le roi Ozia de Juda laisse un royaume prospère, puissant, bien armé et fortifié. Juda, le roi de Ozia. Alléluia. Cette situation privilégiée ne profitait cependant qu'à une minorité de Judéens qui s'étaient accaparés ici la plus grande partie de la terre et exploitaient et opprimaient le reste du peuple. Alléluia. Le fils de Ozia, qui lui a suicidé, appelé Yotam, Ozia le même de y a rien pour pas de Yotam, se voulait fidèle à l'Éternel. Et quand Boka Ahnamou y est là-bas. Mais il n'a pas redressé la situation religieuse. Quand il y a mon Boka, même Walumbo là, Maïe. Et moral de son peuple. Après sa mort, d'après, son fils Aha se confie à la Syrie. Ah, nous n'avons pas Aha et des portes à Syrie noire. D'où il a adopté le culte des Assyriens. Ah, il y a quelqu'un qui a Assyriens noire doit. Alors l'idolâtrie va jusqu'au sacrifice humain en Israël. Ah. Il ne s'est pas arrêté là-bas, mais il finit par fermer la porte de la maison de Dieu. Alors, Esaïe étant un prophète, dénoncera les maux sociaux et la corruption de son peuple. Alléluia. Amen. Ça du chapitre 1 au chapitre 39. Et il donnera les messages de consolation à partir du verset chapitre 40 à la fin du chapitre. En ce moment, frères et sœurs, Israël était plongé dans une ténèbre. Israël était loin de Dieu à cause de leur fête. À cause de leur faute, à cause de leur péché. Frères et sœurs, c'était à ce moment que le peuple de Dieu était opprimé et oppressé. Par une minorité des Juifs. Alors, les pauvres devenaient plus pauvres. Les riches devenaient plus riches. La sorcellerie était rampante. L'idolâtrie était comme l'or du jour en Israël. Jusqu'à ce qu'ils sacrifiaient des hommes. Alléluia. Et c'est l'une des choses que Dieu avait banni. C'est l'une des choses que Dieu avait détestées. Les enfants d'Israël étaient totalement dans les ténèbres. Très très loin. Okay, il n'y avait pas de justice en Israël. Alléluia. Les pauvres devenaient l'esclave des riches. D'où qu'ils pouvaient même vendre leurs propres enfants. Alléluia. Ils envoyaient les enfants à l'esclavage. Et ceux qui avaient peu de moyens ont utilisé leurs moyens à, comment on appelle, à s'enrichir. Et c'est en ce moment que Dieu va susciter un homme appelé Esaïe. Esaïe étant un prophète, il va commencer
Et il est demande de se de repentir de ses faits. Regardons aujourd'hui autour de nous, dans ce monde entier, nous vivons la même situation d'où les ténèbres règnent maintenant. La justice est loin de là. La vérité ne se trouve pas dans nos nations. Alléluia. Amen. Alors les pauvres deviennent toujours pauvres. Et les riches deviennent riches. Tu vois, par ceux qui sont dans l'autorité, pour se cramponner dans ce siège, ils vont commencer à sacrifier les hommes pour se maintenir au pouvoir. Ils vont commencer à tuer les gens pour se maintenir au pouvoir. La vérité est loin de la bouche d'eux. La justice n'est plus là. Alléluia. Amen. Et l'humanité souffre. Quand il souffre, tu ne peux pas réfléchir bien. La souffrance ne t'aide pas de calculer bien. Alléluia. D'où qu'on trouve la souffrance, c'est là qu'on trouve les réflexions négatives, les idées négatives. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se trouve aujourd'hui. Les gens ne vont pas écouter la vérité parce que le monde aime les ténèbres de la lumière. Les gens ont préféré les ténèbres de la lumière. Mais regardez ce que Esaïe va commencer à dire dans le verset 1. Il commence à nous dire dans le verset 1. Il est le peuple qui marche dans les ténèbres. Alléluia. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutons ici dans le verset 1. Celui qui marche dans la ténèbre, celui qui marche dans la ténèbre, il ne voit jamais ce qui est autour d'eux. Ceux qui marchent dans les ténèbres, même s'il y a de trou, il ne peut pas le voir. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne voit pas les pièges montés devant lui. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne peut même pas voir les obstacles qui lui entourent. Celui qui marche dans les ténèbres, il peut même monter sur les épines. Parce que il marche dans le noir. Parce que il ne connaît pas ce qui se passe. Parce que il ne voit pas ce qui est autour d'eux. Celui qui marche dans les ténèbres ne se connaît pas. Alléluia. Amen. Celui qui marche dans les ténèbres ne connaît pas son droit. Il peut être manipulé par n'importe quelle personne. Il peut être manipulé d'abord par n'importe quelle situation. Il peut être dirigé même par son fils. Parce qu'il est dans les ténèbres. Et il ne voit pas ce qui est devant lui. Il ne voit pas ce qui est à côté de lui. Il ne voit pas ce qui est derrière lui. Alors toute personne peut le diriger dans cette situation. Toute situation peut le diriger. Il aura peur de quiconque viendra devant lui. Alléluia. Amen. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne connaît même pas ses droits. Alléluia. Amen. À cause de ses propres biens, on peut lui emprisonner. Celui qui marche dans les ténèbres, Dieu
victoire. Alléluia. Amen. Et vois ses ennemis dehors. Qui passe ses ennemis? Ah, pas de ses amis. Ses amis là, qui se sont donnés à la prostitution, qui se sont donnés à la fornication, qui se sont donnés à la cigarette, qui se sont donnés aux drogues, qui se sont donnés aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et tu vas voir cette jeune fille, elle va s'associer à ces gens-là. Elle ne connaît pas que ces gens-là vont détruire sa vie. Elle ne connaît pas que ces gens-là vont nuire sa vie. Manger, ouais, les gens ne veulent pas de quoi manger, ouais, c'est les gens qui veulent regarder.
quelqu'un me comprend? Celui qui marche dans les ténèbres dépasse son bonheur. Alléluia. Si tu es dans les ténèbres, même si on va mettre, on va remplir l'argent, un sac d'argent, à main à côté, le fait que là-bas c'est ténèbres, tu ne vois pas. Tu ne peux pas voir. Même si ta chance est là, tu vas dépasser. Alléluia. Parce que tu es dans les ténèbres. Je prends un exemple. Je prends une fille qui est très belle. Ses enfants étaient là-bas, ils n'avaient pas de quoi manger. Mais il est là à gaspiller l'argent. Il est là à gaspiller l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Le fête de janvier était là. Après ça, tu as dit, on est à payer avant la fête. Il prend tout l'argent là. Il va dans un bar. Il dissipe l'argent là. Oh, il détruit totalement l'argent. Le jour du fête maintenant, étant un père de famille, il n'avait pas un franc à la maison pour nourrir ses enfants. Il n'avait rien à nourrir à ses enfants. Pourquoi? Parce que le Dieu de fête lui a contrôlé. Écoute-moi, tu dois croire une chose. La parole de Dieu dit que les enfants d'Israël ont introduit les dieux des Assyriens en Israël. Dieu et Assyriens, toi tu pourras me dire, je n'ai pas des idoles que j'adore. Je n'ai pas quelque chose que j'adore. Mais tu as un Dieu. Le Dieu appelé Bacchus, le Dieu de poisson.
mais qui t'ai adoré. Eh, Fabien, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Écoute-moi. Il y a des gens qui se sont donnés dans cette attitude. Nous, on reconnaît qu'il y a des gens. Le matin, on aurait des déjeuners. Je ne vois pas, on aurait des déjeuners. Il déjeune avec le vin. Tu dois être des déjeuners alors. Ton Dieu peut être la cigarette. Et voilà la poli. Si tu ne fumes pas, tu n'es pas satisfait. Et avoir de la poli. Si tu ne fumes pas, tu ne peux pas dormir. Il y a avoir de la poli. Si tu ne fumes pas, tu ne peux pas manger. Il préfère lui donner tout l'argent dehors.
non seulement tu vas dépenser tout ton argent, mais tu auras une maladie. Tu auras une maladie. Tu ne connais pas les filles là. Aujourd'hui, nos filles ne se limitent pas à un garçon. Ils ont plus de 4 garçons dehors là-bas. Débat nous c'est petit, hein? Des fois, 10 garçons. Et toi, tu penses que tu es la seule personne là-bas. Elle ne t'aime pas, elle aime ta poche. Et c'est ce que la fille dit. Est-ce que sa poche est riche? Dis-lui quoi? Est-ce que sa poche est belle? Ce n'est pas la physionomie maintenant qu'il voit, mais il calcule la poche. Est-ce que sa poche est belle? C'est la question qu'il pose. Alléluia. Est-ce que sa poche est belle? C'est la question qu'il pose. Mais il pose. Alléluia. Amen. Ne se guide pas. Tu vas pas de porte. Il ne se guide pas. Tu vas pas de porte. Alléluia. Amen. Il ne se guide pas. Tu vas pas de porte. Écoutez, écoutez. Est-ce que vous avez vu une fois quand tu vois les vaches dirigées par les petits enfants, hein? Les vaches là, dirigées par un enfant qui tient. Hein? Et puis, là où l'enfant veut que la vache passe, là-bas qui va. Ben, alléluia. Amen. Alors celui qui est dans les ténèbres, il est comme la vache dans les mains d'un enfant. Je suis dedans. Il ne s'habille pas. Il ne
Il ne se contrôle pas. Il ne se contrôle pas. Alléluia. Tout ce autour de lui est mauvais. Parce qu'il ne pense pas positivement. Alléluia. Parce qu'il ne pense pas positivement. Il ne se planifie pas. Il ne se planifie pas. Tout ce qu'il gagne, c'est majeur. Tout ce qu'il gagne, c'est aujourd'hui. Je connais un frère. Il pouvait sortir avec 1 million. Avant 3 heures, 1 million est fini. Il rentre dans un bar. Alors qu'il y a l'eau. Il y a des poissons. Quand il voit les poissons, les autres sont en train de boire. Non, les poissons. Où est-ce qui est plus cher? Il va pour chercher ça pour boire. Pour monter. Aux gens là qu'il est comme ça. Vous savez que il y a un esprit derrière le vin qui appelle l'orgueil. Ah. Écoute-moi. Quand tu as un million dans ta poche, peut-être tu penses seulement boire 100 000. Hein? Tu vas garder 100 000 là. Tu rentres dans un bar poliment, bien cravaté. Et puis tu es assis comme ça. Tu commences à prendre des bouteilles. Hey, tu prends le premier bouteille. Deuxième bouteille. Troisième bouteille. Tu es en train de faire comme ça maintenant. Et puis l'esprit de fer commence maintenant à te enfler. Alléluia. Parce que mon ami, donne-lui des bouteilles. Mon ami, là, c'est mon ami, donne-lui des bouteilles. Mon ami, t'as pas donné 3 bouteilles. Prends l'autre là. Lui, parce que mon ami, t'es pas bon. Attendez, je ne suis pas n'importe qui, hein. Ah, mais, faut pas me le pécher. Je ne suis pas n'importe qui. Faut pas lui la minimiser. Quelqu'un qui boit la dîner sur ma grand frère. Le bon la mère, même s'il arrive à dépasser, qui va dépasser. Il dit, dîner sur ma grand frère. Le jour, il y a un d'accord, c'est une pièce de bois que l'on place sur la tête de deux personnes ou deux animaux. Et ils sont dirigés par ce jour. Et cela symbolise la souffrance. Cela symbolise la souffrance. Tu peux être sous le joug de paix. De calomnie. Il ne peut pas s'asseoir quelque part sans bénir son ami. Même s'il s'assoit seulement là, il va créer un moment pour bénir son ami. Parce que c'est là-bas qu'il prend plaisir. Non, mais il n'y a pas son esprit
Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, le bâton. Attends, je vais voir le verset 3 toujours. Il va dire quoi? Il dit ce joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos. Mouluti, quand Mouluti apparaît. Écoutez, parce que vous avez vu une fois les vaches à télé, quand ils les voient, on les dirige devant, il y a des gens qui sont derrière avec le fouet ou bien le bâton, on les frappe. Ah, ben, d'accord, mais qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit de pousser des gars. D'accord, tu as dit, s'il veut s'arrêter, on frappe. Ah, s'il veut s'arrêter, on frappe. Ouais, on va voler. Écoute-moi. Eh, mais si tu es sous le zouk, comment on appelle? De cigarette. Il y a qu'un cigarette, tu es mon. Même si tu es en train de dormir, tu te lèves comme ça là. Le fouet va te frapper, tu es tout obligé de le faire. Même si tu ne le ferais pas, il va le faire. Il n'y a pas de gay, voilà où il n'y a pas de gay. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Si tu es sous le zouk de l'accord. Alléluia. Ils souffrent. Ils souffrent. Ils sont opprimés. Ils sont oppressés. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Parce que la lumière de Jésus n'habite pas en eux. Parce qu'ils ont abandonné la lumière. Ils ne connaissent pas la vie. Alléluia. Amen. Parce que celui qui n'a pas Jésus, droit. Alléluia. Amen. C'est la lumière de Jésus.
jamais. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cheminer. Alléluia. Jésus te donne l'autorité. Il te donne le pouvoir. Il te donne l'intelligence. Il te donne la sagesse. Seront livrés aux flammes pour être dévorés au feu. Écoute-moi, frères et sœurs. Ce qu'on veut dire par le quoi? Tout équipement militaire sera détruit par la lumière. Et cette lumière ne régnera pas toujours. Écoute-moi. Hein? Les esprits mauvais, ni leurs lances, tout ce qui met ensemble là-bas, il a pégé dans le blé, abouté des gens, pour que depuis le combat des gens, il y a de la noix là. La lumière est détruite. La lumière est détruite. Parce qu'il ne peut pas. Parce que et Jésus est cette seule lumière qui dissipe les ténèbres. Il dissipe la Jésus. Il y a une chanson qui dit c'est à Jésus. Tu as la vie, oh, si tu as Jésus, tu as la vie, oh. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as la vie. Jésus a gagné le cahier. Parce qu'il est la lumière. Écoutez le verset 5. Vous faites 5. Je vais finir rapidement. Hein. Ouais, le méchant n'en est pas tout aux oreilles aujourd'hui. Ah, voilà. Alléluia. 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 Mais je vais parler le verset 5. Ah, on dit car un enfant nous est né. Il s'agit des descendants de David et héritier du trône de Dieu. Hey, alléluia. Mais à David. 2 Samuel chapitre 7. Et Esaïe va énumérer 4 titres composés chacun de 2 termes. Esaïe qui a qui a comme motique qui a avouna. Regardez comment il a dit. Il dit. Admirable conseiller. Admirable conseiller. Il est admirable conseiller parce qu'il est le père de la sagesse. Écoute-moi, frère, c'est ça. Si tu te confies à Jésus, si tu fais Jésus ton conseiller, si tu fais Jésus ton conseiller, mon frère et ma soeur, n'importe où que tu iras, tu ne pourras pas tomber. Parce que Jésus ne ment pas. Parce que Jésus ne trompe pas. Fais Jésus ton conseiller. Et tu vivras. Et tu vivras. Dans le nom de Jésus. Le deuxième qu'il va dire quoi? Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il n'est seulement pas Dieu. Mais il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Alléluia. Pourquoi la parole de Dieu dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Joseph a dit, le combat ne t'appartient pas. Il y a un combat. Si Dieu est d'accord, si Dieu
tabou. Si tu es dans ton cœur, peu importe ce que les féticheurs pourront faire pour toi. Si Jésus est dans ton cœur, peu importe ce que les sorciers pourront faire pour toi. La parole de Dieu dit, aucun instrument de guerre forgé contre toi n'aura pas d'effet. Et que toute bouche qui se lève contre un jugement, tu les condamneras. Là, le fait que les amoureux parce que Jésus est dans ton cas. Parce que Jésus tombe pour toi. Alléluia. La parole de Dieu dit, il est Père éternel. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il veut garder main. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périt pas, mais qui est la vie éternelle. La vie éternelle est dans les mains de Jésus. Amen. Et c'est la vie de Jésus qui a cette vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit, n'ayez pas peur de celui qui tue le corps. De celui qui peut tuer le corps et l'âme. Parce que l'éternité est adorée à l'âme. Et c'est Jésus Dieu qui a le pouvoir de détruire l'âme et de laisser l'âme vivre. Jésus malakanye et nipa. Il est éternel. Il n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fin. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Prince de paix. Si tu as Christ, Lilalo. Si tu as Christ, Yala tu as la paix du cœur. Lilakaye. La paix que le monde cherche, c'est Jésus qui donne. Jésus va garder nous. Écoutez, si le monde pouvait donner la paix, alléluia. Amen. La communauté internationale. A investi combien de milliards de dollars en cherchant la paix dans les pays. Il les envoie dans les pays. Mais de plus qu'il envoie, de plus on parle de guerre. Alléluia. La seule personne qui donne la paix, c'est Jésus. Alléluia. Il ne te donne pas seulement paix, mais il te donne une paix durable. Une paix d'éternité. Jésus est la lumière qui dissipe les ténèbres. Ce matin, ce mois, c'est le mois et le mois béni de nous parler de Jésus. La mission de Jésus, ce n'est pas la volonté de Jésus que nous vivons dans les ténèbres. La volonté de Jésus est que nous vivons dans la lumière et que nous marchons dans la lumière et que nous laissons la lumière nous contrôler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas continuer dans cette vie? Il arrive le moment, il voit que ce qu'il fait n'est pas bon, il va vraiment abandonner, il se bat. Mais il n'arrive pas. Mais Jésus est prêt. Mais Jésus qui peut prendre. Jésus est là pour te délivrer. Jésus qui est là pour te délivrer. Ce que tu es en train de faire, il dit qu'il n'est pas bon. Et tu veux sortir de ce lieu. Tu veux marcher dans la lumière de Jésus. Tu ne dois pas avoir honte. Venez devant nous prier pour toi. Écoute-moi, la parole de Dieu dit, ce n'est pas par nos forces. Ce n'est pas par nos intelligences. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par toi. Ce n'est pas par ta force. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui mène. Viens. Mets ta vie dans la main de l'Esprit de Dieu. Et laisse l'Esprit de Dieu te diriger. Ce que tu fais, c'est possible. Réponds à Jésus. Parce qu'il est le Dieu d'impossibilité. Ce que l'homme pense est impossible. De ces choses, de toutes ces choses. Es-tu là? Est-ce que tu crois que Jésus peut t'épargner de ces choses? Est-ce que tu sais que Jésus peut te faire
raconte. Mais tu ne veux pas. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureusement, nous sommes tous dedans. Ah, je sais que parmi nous ici, il y a l'esprit de Dieu qui touche quelqu'un. Tu refuses, hein, mais il te parle. Il dit va. Va, tu souffres de ces choses-là. Mais Dieu a dit que non, je ne vais pas. Je vais m'arrêter. Je vais m'asseoir. Je ne vais pas, je ne bouge pas. Et Dieu lui dit va. Mais tu ne dois pas dire non. Alléluia. Tu ne dois pas dire non. Tu ne dois pas dire non. Obéis l'esprit de Dieu. Arrêtez-vous ici. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas y aller ta foi toi-même. Tu diras à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je refuse de demeurer dans ce comportement. À partir de jeudi, l'esprit de Dieu, aide-moi maintenant. Aide-moi, donne-moi la force de quitter ce lieu. D'abandonner ce que je suis. Prie maintenant pour toi-même. Oui, Seigneur, tu es le Dieu. Le Dieu au l'éternel pour les pauvres. Et le Dieu l'éternel qui combat pour son peuple. Tes enfants sont venus devant toi, ô Père. Tu connais leur cœur. Tu connais là où ils se trouvent dans ce message. Et que Seigneur, c'est toi seul qui peux les livrer, ô l'éternel. C'est toi seul qui peux les délivrer, papa, de ce jour, papa, de l'ennemi. C'est toi seul, papa, qui peux les repositionner, papa. C'est toi seul, l'éternel, qui peux les donner la raison de vivre, papa. C'est toi seul qui peux jaillir ta lumière sur eux. C'est toi seul, l'éternel, au Père, qui peux te donner, qui peux les donner, oh papa, la raison de vivre, l'éternel. Je ne connais pas leurs problèmes, mais tu connais leurs problèmes. Je ne sais pas ce qu'on l'éternel, oh papa, qui souffre d'eux, mais tu connais l'éternel. Ta parole déclare, quand nous venons devant toi, avec un cœur sincère et pur, tu es juste et fidèle de nous pardonner. Ainsi donc, Père, je remets ma maman dans tes mains. Tu connais son problème, l'éternel. Délivre-la, l'éternel. Délivre-la, l'éternel. Délivre-la, l'éternel. L'esprit de Dieu, je la remets à ta seigneurie. À partir d'aujourd'hui, pilote sa vie. À partir d'aujourd'hui, dirige sa vie. Je refuse qu'elle demeure dans ce comportement. Je refuse qu'elle demeure dans ce comportement. Ta parole n'a-t-il pas dit, ce n'est pas par nos forces ni par nos intelligences, mais par ton esprit, l'esprit de Dieu, couronne sa vie, dirige sa vie et pilote sa vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, je la remets dans tes mains. Tu connais, papa, son point faible, l'éternel. Que tu peux la délivrer. Délivre-la, mais papa. Délivre-la, l'éternel, pour ta gloire. Tu connais son point faible, l'éternel. Merci infiniment, parce que tu l'as fait, l'éternel. Dans le nom de Jésus, je remets ton église dans tes mains, Yahweh, mon Dieu et mon roi. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ce message. Et même ceux qui m'écoutent, papa, près ou loin, l'éternel, ils ont beaucoup de personnes qui ont touché l'éternel, que ce message, l'éternel, transforme la vie de quelqu'un, que ce message repositionne la vie de quelqu'un, que ce message restaure la vie de quelqu'un. Le Seigneur, à partir de ce message, une personne ne peut pas prendre une nouvelle vie dans le nom de Jésus. Amen. Et le